Salut à tous, c'est CoolZero, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 17 édition Platinum. Alors, c'est la poursuite de l'aventure qu'on a commencé dans les deux premières vidéos. Si vous ne les avez pas encore vues, je vous invite à vous y rendre de ce pas dans les liens que vous trouverez sur ma chaîne. On va donc continuer, donc on a toujours un seul champ, quelques machines, une ramasseuse, et là l'objectif c'est de labourer ce champ. Et du coup, de pouvoir replanter. Allez, c'est parti, on perd pas de temps. On y va de ce pas aussi de ce côté-là. On va essayer que les deux machines ne se rencontrent pas trop. Et ça va être bien sympathique. Alors, on a commencé, j'ai continué un petit peu l'aventure entre-temps. J'ai remboursé un petit peu d'argent, gardé un petit peu d'argent. Les choses avancent doucement, mais sûrement. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez des stratégies pour gagner plus d'argent et plus rapidement et avancer plus vite dans le jeu. Surtout, n'hésitez pas. Et puis, moi, je vous dis, si ce n'est pas fait, abonnez-vous à la chaîne. Ça fait toujours plaisir et ça aide celle-ci. Mettez un petit commentaire après cette vidéo si celle-ci vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à liker. Allez, c'est parti. On reprend de ce pas. Allez, l'ouvrier qui va pas chômer, là. Hop. Tant qu'il fasse ça, ce qui serait pas mal éventuellement. Ah, c'est que l'on achète du coup un petit équipement du coup de type, je pense, on pourrait s'acheter éventuellement hop, une petite ruche qui permettrait de rapporter du coup du miel et un petit peu d'argent. Ça, c'est pas mal aussi, hein, quand même. Hein. Ça demande par contre. Produit des légumes qui sont vendus et vous rapporte de l'argent automatiquement. Pas mal. Il faudrait voir. Il y a une petite gestion supplémentaire, je pense. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de s'en acheter une et on va voir où est-ce qu'on peut la poser. Alors. Là, on peut la déplacer, du coup. Ok. Est-ce que... Donc, acheter, retour, déplacer. Est-ce qu'on peut tourner? Non, pas pour l'instant. Je tourne, là, je zoome. Ok. Alors. Pivoter avec R. Ah, voilà. Pivoter, ok, ça la fait pivoter lentement. Ok, on va essayer de la mettre dans un endroit où ça ne gêne pas trop. Là, je pense que ça pourrait être pas mal. Et à l'endroit exact, oui, mais en avançant un petit poil, ça peut peut-être être réalisable. On va essayer de la faire légèrement, voilà, comme ça. Hop, on va la mettre. On va regarder si ça gêne pas si on se met comme ça. Ouais, je pense que c'est pas mal, là. C'est de zoomer un petit peu pour être sûr que du coup elle est bien collée. Pour surtout pas perdre d'espace. Voilà, je pense que c'est bon. Allez, paf! On en achète une. Et là, je ne pense pas qu'on peut en acheter une deuxième, mais bon, on va essayer, on sait jamais. Y a-t-il un bug du jeu? Non, mais pas assez d'argent. Allez. Paiement de salaire 439. Oula! Et on engage l'ouvrier. Et c'est parti. Donc là, j'ai déjà rempli le semoir. Tout est fait. Et maintenant, il reste à labourer notre champ. Et à... Du coup, ensemencer et à laisser planter. Ce qui aurait été bien, c'est d'avoir un petit épandeur aussi. Mais là, on n'en a pas. J'espère que ça va pousser pas trop vite, pas trop mal. Hop, on va peut-être par contre du coup faire avancer le temps. Alors, j'avais mis le temps justement, le temps réel, mais je pense qu'on peut faire avancer le temps un peu plus vite. Comme ça, ça va pouvoir commencer à pousser un petit peu ce qu'on fait là.
bosse bien là. Le temps passe beaucoup plus vite là. Pas le moment de sortir la moissonneuse. J'ai la déconne, ça m'étonne. Ah, je me demande si c'est pas eu un petit bug là. Parce que maintenant ça descend. Et tout à l'heure, ça descendait pas. Aïe aïe aïe, je crois que du coup, l'ouvrier... Ah si, ça pousse. Marrant. Allez, on va faire quelques lignes quand même. Hop, on baisse, on active et c'est parti. Comme ça un petit salaire. Hop. On lève la machine. L'ouvrier, c'est parti. Commence à pousser tout ça. Un petit outil de travail du sol efficace. Déjà pouvoir placer notre moissonneuse. En début du champ, prêt à attaquer. Ok. On va reculer un petit poil. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder un petit peu là où on est. La perte de la carte, voilà. On a un champ qui est juste à côté, qui est plutôt pas mal. Prêt pour la récolte en plus. Limite même à être un peu trop fait. On va, hop, on va ralentir le temps. Pour se donner un petit peu de temps. Hop, ok. Là, on va du coup regarder le prix, il est là, juste ici. On va aller voir tout de suite ça. Hop. Alors, ça y est, c'est parti. On va aller voir combien il coûte. Parce que ça pourrait être pas mal, éventuellement, d'acheter ce champ-là. Avant qu'il soit foutu. Avec un champ comme ça, ça rigolerait beaucoup moins. Et je suis un peu dans le pétrin, vous pourriez peut-être m'aider. Ce champ est prêt plus tôt que prévu et tous mes ouvriers habituels sont occupés par ailleurs. Si je ne le moissonne pas au plus vite, ce sera trop tard et il deviendra inutile. 26 000 euros.
6 882 € est un faible prix à payer par rapport au gain potentiel. Délai pour cette mission, 56 minutes. Lorsque vous sauvegardez et quittez le jeu, la progression de la mission n'est pas sauvegardée. Ok, donc, bah, qu'est-ce qu'on fait? On achète? Ou on le fait? Eh ben, on va démarrer. Allez, on va essayer ça. Ah, c'est une belle moissonneuse massée percussion, ça. Hop, s'approcher de la barre de coups. Hop, on va essayer de s'atteler. Atteler. Hop. Ok. C'est parti. Ah, on est un petit peu trop, j'ai l'impression, à... Ouais, on est un peu trop, là on est bien. Là on y va. Faire des missions au début, c'est vraiment rentable, ça permet vraiment de pouvoir justement gagner de l'argent assez rapidement en faisant des missions assez intéressantes et variées, surtout en utilisant du matériel voilà, qu'on va tout se payer au début de jeu. Alors que là, on peut. Ça, c'est tout à fait. On mettra peut-être en stand-by du coup, pas trop de kilomètres, je suis vraiment à la limite. Je suis vraiment à la limite, là, on est bien. Allez, on continue. Ça avance plutôt bien. On va essayer de se faire cette vidéo en intégralité. Ce champ en intégralité. On a un rendement plutôt intéressant. Ça donne pour l'instant. Et on a fait déjà une belle lignée, hein. Ah. Ils sont faibles. Mais c'est que ça avance pas mal, hein. C'est une petite moisson là en intégralité. Je pense qu'à un moment donné il faudra que j'aille récupérer du coup une remorque pour vider tout ça. Hop. On va désactiver la moissonneuse. Faire un petit demi-tour. Et c'est reparti. Il est sympa, hein, l'intérieur. Ça rend bien. Ça rend bien. Et ça se remplit bien aussi. Ouais.
Ah, les animations ont bien évolué quand même. C'est plutôt sympa. Me direz en commentaire ce que vous pensez du jeu, si vous l'avez déjà fait, si vous n'aimez pas ce jeu, et pourquoi surtout. Ça m'intéresse.
je suis à côté, ça continue de travailler, c'est bien. Je tire. Il doit nous rester 3 ou 4 passes, hein, quand même. Hein. On va arriver, je sais pas si on va arriver à faire toute l'arme. Tout le champ avec une seule trémie quand même. Les musiques sont vraiment sympas par contre. On a fait plus de la moitié là, le rond vert me l'indique maintenant. Ça, c'est plutôt pas mal. On va changer un peu, on va aller au bout.
encore 4 passages en tout. Oh, ça va pas vite. Je sais pas si on peut piquer un petit somme dans une moissonneuse, mais... J'ai l'impression qu'un de mes ouvriers a fini le travail. C'est très bien, on va pouvoir retirer le véhicule. Dégager parce que sinon l'autre quand il va arriver il va pas pouvoir bosser. Il nous laisse quand même une heure pour le faire, finalement ça se fait quand même en moins de temps que ça. Ouais, c'est que ça se remplit bien. Et du coup on va peut-être avoir plus de deux passes. Quoi ? On en aura peut-être trois. Ouais. C'est comme je vois le truc là. Ça va nous faire une coquette sympa. Ça, c'est cool. J'espère que le jeu va pas chipoter pour les 2-3 épis qu'on aura oubliés. On saura ça assez vite. Eh ben on est presque à 75%. Je sais pas vous, mais moi ça me détend.
sympa de voir ces machines. D'être en pleine nature. Et d'être un agriculteur. On arrive bientôt au bout de cette mission qui nous aura pris un petit peu de temps. J'espère que vous appréciez cette petite moissonneuse Massey Ferguson Delta. Alors il fallait pas grand chose pour qu'on puisse faire cette dernière ligne. Bah c'est après tout ça. Delta 93 80. Tout toi. Temps de redresser un petit peu la barre là. Je pense que prochain tour, on a fini. Pas grand chose hein. Un petit décalage hein. À ce début, il me fait vraiment penser à Michael Jackson.
Et voilà. Un bonus auto cool, ça fait en tout 36 000 euros. Waouh. C'est cool ça. Maria King. Oh, bon, on peut faire cette petite mission. Allez, elle est pas énorme. En plus, une tonne à lisier, le fast track. Ça a l'air pas mal. Eh ben, comment ils nous ont collé ça? Attention. Wow, regardez-moi cet intérieur un peu. Sacré rampe, hein. Ok. Allez, c'est parti, on va l'activer. On a un peu de recul là. Pour essayer de voir notre rampe. Du coup, on va se décaler dedans. Voilà, là on est pas mal là. Ça devrait aller assez vite. Mental comme rampe. Eh ben pour manier ça. Oh, du doigté, hein. Tourner au bout du champ. Essayons de faire un tour convenable. Voilà. La mission est facile là. Plutôt bien. C'est plutôt pas mal. Le déversement de la tonne à lisier. Mission, une petite mission sympathique quand même. Hein.
On est bien parti de la pour avoir fini dans pas très longtemps. Quelle grandeur de tonalité, je sais pas combien font les rampes, mais c'est impressionnant. On va zoomer jusqu'à notre gros challenger. Ça, c'est de l'agriculture XXL. Le bon bout là. Je crois pouvoir dire qu'on tient le bon bout. Voilà, on a encore gagné un peu de sous. Cool. Allez, on va pouvoir ramener le tracteur. Et voilà, c'était une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 2017, édition Platinum. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout une vidéo où on a pu commencer à faire de la culture sur notre champ. Une vidéo où on a pu également aider une agricultrice sur un champ à côté par deux fois. Vidéo plutôt sympathique. Voilà, donc si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter celle-ci juste en dessous et à vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à très bientôt. Allez, à plus !